Bonjour à tous, bienvenue sur Learn French with Escargot. In today's video, I will show you four ways of asking questions in French. Are you ready? So let's start. First method: we will start with the most common construction used in spoken French for everyday situations. Important: don't forget to raise your intonation towards the end of the sentence. Vous parlez anglais? Do you speak English? Vous parlez anglais? Tu parles français? Tu parles français? Do you speak French? Tu as faim? Tu as faim? Are you angry? And if you want to sound more like a French, you can use the elided form of tu as, which is ta. So instead of tu as faim, you can say ta faim, t'as faim, t'as vendu ta maison, t'as vendu ta maison, We also have "t", which is the elided form of "tu Par For example, "t'es malade", "Are you sick?", "t'es malade", "t'es rentré à quelle heure?", "t'es rentré à quelle heure?", "What time did you get home?" Now, let's see the second method. Use est-ce que to make questions in French. It is pronounced est-ce que. This is mostly used to ask questions that can be answered by oui or non. Yes or no. Est-ce que tu peux venir demain? Est-ce que tu peux venir demain? Can you come tomorrow? Oui. À quelle heure? Yes, what time? Oui, à quelle heure? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. And if you cannot come, you can say, Non, je ne suis pas libre. No, I'm not free. And you can even skip "ne" to sound more like a French. Non, je suis pas, pas libre. Non, je suis pas libre. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Est-ce que text elision so one followed by a vowel or an h? It becomes, est-ce qu'il, or est-ce -qu etc. For example, est-ce qu'il est norvégien? Est-ce qu'il est norvégien? Oui, Bjorn est norvégien. Oui, Bjorn est norvégien. Non, il est suédois. Non, il est suédois. Est-ce qu'elle est malade Est-ce qu'elle est malade Oui, Marie est malade. Oui, Marie est malade. Oui, je crois. Oui, je crois. We also use est-ce que for what questions so it becomes qu'est-ce que? For example, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? What do you want to do? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? What did he say? Qu'est-ce qu'elles ont fait hier soir? Ont fait hier soir? what did they do last night A turn method use inversion to make question in French. This is mostly used when we write or in formal situations. If you are studying French to pass exams it is essential you know how to form your questions using inversion for example parlez-vous. anglais parlez-vous anglais do you speak english parles-tu français parles-tu français do you speak french as-tu faim are you hungry as-tu faim and the last method this method is used when you are almost sure the answer is yes for example tu es allemand, n'est-ce pas? You are German, right? Tu es allemand, n'est-ce pas? You can also use non. Tu l'as vu, non? You've seen it, haven't you? Tu l'as vu, non? Il le savait, non? Il le savait, non? He knew, didn't he? So let's practice with some examples with common French questions word. I will separate it in formal questions and informal questions. So let's start with comment, how, comment allez-vous, how are you, comment allez-vous, comment vas-tu, comment vas-tu. Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Comment fonctionne cette machine? Comment fonctionne cette machine? Now let's see informal questions. Comment tu t'appelles? What's your name? Comment tu t'appelles? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Comment je peux t'aider? How can I help you? Comment je peux t'aider? Comment tu le sais? How do you know? Comment tu le sais? Now let's see with Où, where, Où, Habitez-vous? Où habitez-vous? Where do you live? Où souhaitez-vous aller manger? Où souhaitez-vous aller manger? Where would you like to go eat? Où se trouvent les toilettes? Où se trouvent les toilettes? Où est-ce que je peux trouver un taxi Où est-ce que je peux trouver un taxi Tu habites où Where do you live Tu veux manger où ce soir Tu veux manger où ce soir Ils sont partis où tes parents ils sont partis où, tes parents? Elles sont où, tes clés? Elles sont où, tes clés? Where are your keys? Quand? When? Quand partez-vous en vacances? Quand partez-vous en vacances? When are you going on vacation? Quand partez-vous en vacances Quand seras-tu disponible Quand seras-tu disponible Quand est-ce qu'ils arrivent Quand est-ce qu'ils arrivent Quand est-ce que vous repartez Quand est-ce que vous repartez When are you leaving? Vous partez quand en vacances? Vous partez quand en vacances? T'es bientôt disponible? Are you available soon? T'es bientôt disponible? Ils arrivent quand? Ils arrivent quand Vous repartez quand Vous repartez quand Pourquoi Why Pourquoi es-tu en retard Pourquoi es-tu en retard Why are you late Pourquoi ont-elles pleuré pourquoi ont-elles pleuré Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé Why didn't you call me Pourquoi Martin a-t-il démissionné Pourquoi Martin a-t-il démissionné Pourquoi t'es en retard? Pourquoi t'es en retard? Pourquoi elles ont pleuré? Pourquoi elles ont pleuré? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Remember, you can skip ne. Pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi tu m'as pas appelé? Martin a démissionné pourquoi? Martin a démissionné pourquoi? Combien? How many? How much? How long? Etc. Combien de frères et sœurs as-tu? Combien de frères et sœurs as-tu? How many siblings do you have? Combien de langues parlez-vous? Combien de langues parlez-vous? How many languages do you speak? Combien cette voiture coûte-t-elle? Combien cette voiture coûte-t-elle? Combien de temps cela prendra-t-il? Combien de temps cela prendra-t-il T'as combien de frères et sœurs T'as combien de frères et sœurs Tu parles combien de langues Tu parles combien de langues Cette voiture coûte combien Cette voiture coûte combien ça va prendre combien de temps Ça va prendre combien de temps Qui Ou Qui est votre acteur français préféré Qui est votre acteur français préféré Qui est-ce que tu invites à la fête Qui est-ce que tu invites à la fête C'est qui ton acteur français préféré? C'est qui ton acteur français préféré? T'invites qui à la fête? T'invites qui à la fête? À quelle heure? At what time? À quelle heure arrive-t-il? At what time do they arrive? À quelle heure arrive-t-il? À quelle heure le restaurant ouvre-t-il? À quelle heure le restaurant ouvre-t-il? Ils arrivent à quelle heure? Ils arrivent à quelle heure? Il ouvre à quelle heure le restaurant? Il ouvre à quelle heure le restaurant? Let's see one more time the four ways of asking a question in French. Are you cold? So you can use four different ways. The informal and most common way. Tu, froid? tu froid? as froid? Tu as froid? T'as froid? T'as froid? Est-ce que tu as es froid? Est-ce que tu as froid? As tu froid? As froid? As-tu as froid? N de la swan Ta froid n'est-ce pas? Or ta froid non? Ta froid n'est-ce pas? Ta froid non? Thank you for watching until the end. If you like my video, don't forget to like to comment and subscribe to my channel. Thank you very much. And if you are looking for a cool app to learn French or any other language, check out the description for the Ling application. Have a good day. See you next time.